Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un bracelet aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un bracelet très simple à réaliser avec la méthode Kumihimo, qui est un tissage où il faut juste savoir compter jusqu'à 3 pour la réaliser. Donc, petits et grands pourront s'occuper dans la voiture, sur la plage cet été et réaliser de jolis bracelets colorés. Je vous montre comment on fait. C'est parti! Voici le rendu du bracelet d'un petit peu plus près. Donc vous voyez que c'est une spirale aux couleurs de l'arc-en-ciel. En termes de matériel, vous aurez besoin d'un petit morceau de carton, d'une paire de ciseaux, d'un compas, un rapporteur, une règle et du fil à broder. Pour faire le modèle que je vous propose aux couleurs de l'arc-en-ciel, vous aurez besoin de 7 couleurs différentes. Pour réaliser le bracelet arc-en-ciel, nous avons besoin de confectionner un disque de tressage. Et donc, je vous montre en image comment le réaliser. Vous aurez besoin de votre compas dans un premier temps. Et vous allez mesurer 5 cm sur votre règle afin de réaliser un cercle qui mesure 5 cm de rayon ou 10 cm de diamètre. Prenez ensuite votre règle et tracez un diamètre sur le cercle avec votre crayon. Ensuite, il est temps d'utiliser le rapporteur. Tracez des repères à 90 degrés et 45 de chaque côté. Retournez votre carton et faites de même sur l'autre côté du cercle. À nouveau 90 degrés, 45 à gauche et 45 à droite. Prenez à nouveau votre règle et tracez les diamètres en reliant les repères que vous avez réalisés. Ça vous permet d'avoir un cercle divisé en 8 parties égales. Prenez maintenant votre paire de ciseaux et découpez le cercle. Sur chaque trait, nous allons réaliser des encoches d'à peu près 1 cm de profondeur. Avec votre crayon bien aiguisé, faites un trou au centre de votre cercle en carton. Votre disque est maintenant prêt. Maintenant, coupez 7 brins de 80 cm de longueur. Ici, j'ai utilisé les couleurs de l'arc-en-ciel, mais vous pouvez tout à fait choisir vos propres couleurs. Il faut juste respecter le nombre de brins. Donc, en l'occurrence, avec cette méthode, il faut utiliser 7 brins différents. Regroupez tous vos fils et faites un nœud à une des extrémités. Passez l'extrémité avec le nœud à l'intérieur de votre disque de tressage.
Désolée pour le plan un petit peu hors champ. Mais donc, tirez les fils et faites en sorte que le nœud soit du côté verso de votre disque. Il est désormais temps de positionner les fils dans les encoches. Alors, pour faire un bracelet aux couleurs de l'arc-en-ciel avec la suite de couleurs suivantes, vert, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, il est important de positionner les couleurs de la façon dont je vous montre à l'écran. Donc en l'occurrence, on commence par le jaune. Ensuite, à côté, à gauche, on met le fil bleu. Ensuite, le vert, le violet, le rouge, le rose et le orange. Si vous ne suivez pas cet ordre, ça ne fera pas le dégradé de couleur de l'arc-en-ciel. L'ordre des couleurs peut paraître un petit peu contre-intuitif parce qu'ils ne sont pas directement positionnés sur le cercle en dégradé, mais rassurez-vous, à la fin, la spirale, elle, sur le bracelet, sera bien dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est parti pour le tissage. Donc, vous mettez l'encoche vide devant vous, vous comptez trois fils dans les sens des aiguilles d'une montre vers la gauche. Et vous prenez le troisième fil, vous l'enlevez de son encoche et vous le mettez sur l'encoche vide. Et on recommence. Donc vous mettez l'encoche vide devant vous. 1, 2, 3. Le fil bleu passe, est retiré de son encoche et vous le mettez dans l'encoche vide. C'est aussi simple que ça. On met l'encoche vide devant soi, 1, 2, 3, et on bouge le fil de place. Et on recommence, 1, 2, 3, le fil violet va dans l'encoche vide. Pensez à démêler un petit peu les fils derrière pour pas que ce soit difficile ensuite de les déplacer. Et c'est parti pour le tressage de la spirale. Je vous montre ce que ça donne au bout d'un quart d'heure, on va dire, de tressage. Vous avez 2 cm à peu près, je pense. Il vous faudra, je pense, environ 3 quarts d'heure, 1 heure pour obtenir une dizaine de centimètres de bracelet de tressage. Pour faire un bracelet de 17 cm, il m'a fallu 1 heure. Je pense que vous pouvez compter voilà, entre 1 heure et 1 heure et demie pour faire un bracelet complet. Il faut un petit peu de patience quand même, mais c'est très très simple à réaliser. Lorsque le tissage atteint la longueur que vous souhaitez, il vous suffit d'enlever un à un les fils des encoches, de tirer le bracelet et de récupérer le tout. Sécuriser le tissage en faisant un nœud à la fin. Je vais vous montrer juste après. Voilà.
Faites un nœud au plus proche du tissage afin de bien sécuriser le tout et vous pouvez couper l'excédent de fil, bien entendu. Et voilà, votre bracelet est désormais terminé. Vous pouvez l'accrocher à votre poignet. Si vous réalisez vous-même ce bracelet, n'hésitez pas à me le montrer sur mes réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram. Je vous mets les liens directement de ces réseaux dans la barre d'information. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Et si vous voulez que je mette en vidéo certains tutos que j'ai déjà publiés sur mon blog ou d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives.